CKRL, cultive tes goûts. Ben oui, on peut changer le monde, Gaétan. On peut changer le monde. Ouais, mais là, ça changera pas qu'actuellement, là, on entend juste d'une seule oreille. Ah! Ah, 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 ah! Ne dis pas ça! C'est pas parce que toi, la belle Rita, toi, t'entends d'une seule oreille que tout le monde est comme ça. Ah, oh, ouais. J'avais pas pensé à ça. Non, ça, on le sait que c'est pas ton fort. Non, moi, c'est, le fort, c'est pas mon fort. Non. Qu'est-ce qui est ton fort? Ah, mon Dieu. C'est le réconfort. Oh! Auprès de mon mari, Régent. Oh, Régent Dufault. Régent Dufault. Hey, je suis marié avec cette créature de rêve depuis 23 ans. Lorsque je l'ai rencontré, c'est à la plage municipale. Municipale? Municipale. Hey, ça, c'était principal. Comment ça, on peut pas? S'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, ça concute. Problème technique, ça c'est bien en début d'émission. Là. On entend Iggy Pop. Et là, dans les écouteurs, ça fait quoi? Ça fait get up. Non, ça fait pop up. Oh. OK. Là, qu'est-ce que tu as pendant ce temps-là? Là, j'essaye d'étirer le fil. Oh, on l'a. Nous l'avons. Ah non, encore une oreille. La seule oreille qui m'arrive au tympan. Ouais. Ouais, OK. Ouais, ça, c'est le machiniste là, qui dit « coupe le fil ». Ben, si je coupe le fil, c'est pas un sans-fil, ça, mon imbécile. C'est avec... Oh, comme ça. OK, on... Le problème vient de... Oui, monsieur, c'est la prise. Monsieur, la prise? Oui. Ça vient de la prise? Oui. Je viens de la prise? Oui. Oh, oui, vous êtes... Moi, je suis enraciné dans la prise. J'ai trois cordons. Le cordon ombilical? Oh, ben, non, pas lui. C'est pas technique, ça, là. Ben, c'est très technique, monsieur. Ah, ben, voyons d'autres, oui. Oui, j'ai le cordon infrarouge. Oh! Mais attention, là, l'infrarouge, on n'a pas besoin de cordon. Ben là, c'est parce que c'était les nouveaux, la nouvelle génération. Là. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est version 8? Non, version 17. Version 17. Mais dans mon temps, là, c'est autrement. Ça se produisait autrement. Avant que ça soit sans fil, mon petit innocent, c'était avec... avec un cocu mitance, avec un cocu, oui. C'était très cocu. Ah, oh, mon Dieu, c'était comme ma belle-sœur, ça. Ah! Elle s'est mariée pour mieux cocufier son mari. Elle aimait ça. Ah! Oh. Elle travaillait, là. Puis elle prenait même pas son temps pour prendre une tisane hein, pendant son 15-20 minutes. Non, elle cocufiait son mari. Elle coco, elle vient coco, avec Gaétan, avec Rita. Elle même, ah oui, c'est ça, elle, c'était n'importe quoi. Ça bougeait, on y va. À un moment donné, on avait acheté une mop en 1973. Oui, elle avait tombé par terre. Qui ça, cette dame? Non, pas cette dame, cette mop. Ah! Et puis elle a commencé à courtiser la mop. Et puis... Je ne vais pas te le dire, ce qui va en suivre là, risque de te rendre totalement ridicule. C'est le but de l'émission? Oui, mais pas les individus, c'est la conception! Il s'appelle Conception. Il a presque de l'émotion. Non. Non, là, t'étais bien parti, tu racontais qu'on peut changer le monde. Ça, comment on y arrive? Est-ce que c'est par des stratagèmes psychologiques? Est-ce que c'est par des chiffres numérisant la société dans laquelle on vit? Et attention. Professeur d'anglais, troisième Dan, oui. Troisième Dan, ça veut dire des Dan universels, OK, à l'intérieur même du chiffre. OK. La racine carrée, ça n'existe plus, ça. Là. Ça, c'est pour les enfants d'école. En deuxième année, on apprenait ça, nous, là. Les calés du galon. OK, du galon numérique. Du galon chimérique. Il me semble que le chimère et la calculette, ça va pas très bien ensemble. Oh, oui! Je vais vous faire un poème
avec des chiffres. Ah, mon Dieu! Et ça se chiffre? Ça se chiffre à 3,28 $. Si vous voulez payer avant, on va la réciter après. Ben là, on n'a pas passé le chapeau. Le chapeau. Si le chapeau te fait, mets-le. Ben ça, non, il me met, ça fait pas. Ça fait mal. Quand on vous repousse et qu'on se sent comme... Sérénal. Léodore est seul en dedans. Mais la vie est faite de justice. Elle avait vieilli. Parce que là, l'histoire, grosso modo, c'est un homme qui est amoureux, un jeune homme qui est amoureux d'une jeune fille. La jeune fille ne le regarde pas. Elle fait semblant. Elle lit ses petits livres d'Arlequin. Ah, oh, mais ils vivent heureux, oh, moi, jusqu'à la fin des temps. Oh, que c'est beau. Oh, c'est la réalité, ça. Moi, quand je vais me marier, je serai une princesse. Une princesse, regarde-moi ça. 2013, princesse. Ah ouais, Bambi, continue à patiner sa patinoire. Mais moi, je patine en dehors de la patinoire, c'est vrai. C'est comme les joueurs de hockey. Dans les bars, tu patines. Mais sur la glace, tu patines plus. Mais j'ai été sur le banc, là, lorsque j'ai compté mon premier but. Oh! Ouais, ben en fait, c'est parce que je me rappelais lorsque j'étais enfant. Très petit enfant. Très petit. Mon père était assez protecteur, oui. Alors, il me plaçait dans sa poche, puis il me disait « Joue au hockey! » Fait que moi, je m'amusais avec des petites... des petits grains de tabac. Ouais, j'étais petit, là. Imaginez-vous les grains de tabac. Hey, c'est immense quand t'es petit. Ah oui, c'est gigantesque. Ça me faisait penser à une peinture de Rembrandt. Rembrandt, celui-là, là. Non, pas lui, celui à côté, ouais. Ouais. Ben, non, revenez ici, revenez. Non, j'ai... Oui, voilà, c'est ça, c'est Rembrandt. Lui, ben, voilà. Quel beau personnage. Ah, il est pas, non, il n'est plus vivant, là. Hey, en parlant de vivant, je vous reviens. Après un chemin assez difficile à parcourir. Imaginez-vous que cette semaine, je parlais avec une citoyenne de René Lévesque, notre feu premier ministre du Québec. Et cette dame ne savait pas qu'il était mort. Assez sérieux, là. Cette femme-là a droit de voter. Elle travaille au poste. On va la franchir, là. Hein? Non, pas de violence. Non, on va la franchir de connaissance. Oh! Moi, je lui conseille Umberto Eco. Eco! Ah oui, Umberto Eco. Ah oui, c'est lui! Mais voyons, hey, c'est extraordinaire. Moi, j'ai lu Le nom de la dose. Non, c'est Au nom de la dose. C'est un livre de junkie, là. Ça explique comment fonctionne la seringue, comment fonctionne le bras, les systèmes plus fort que ça, vos patates, madame. Pilez-moi ça, parce que moi, là, je fonctionne en purée depuis 3 semaines, là. Ouais, c'est ça, ma femme m'en a vu à une seule day. Ben, voyons, je suis arrivé à 2h15 au lieu de 2h. Et elle avait c'est comment t'appelles ça, toi, un rouleau à pâte, là, elle me l'a enfoncé dans le zirgoutin. Ah, ça a brisé toute ma palette de chocolat. Puis ma palette inférieure aussi. Ah, depuis ce temps-là, je mange de la purée. Ah! Elle m'a dit, ça fait 20 ans que tu m'en fais manger de la purée. Tu vas manger, monsieur, là-bas, pas la même purée, voilà la purée. Ouais, navet, patate, carotte, ah, ouais, j'ai mangé un roast beef en purée. Et puis là, on nous dit, faut qu'on regarde, le mets semble appétissant. Ouais, appétissant, s'en va mangeant. Ah ouais, mais c'était pas très, très... Même la senteur, là, oh! Êtes-vous certain que c'est pour manger ou c'est déjà sorti, ça? OK! Oh, monsieur! Alors, on peut pas changer le monde. On peut changer le monde, oui. La semaine dernière, on ne pouvait pas, mais là, on y va. On y va, on est des perlimpinpins.
Hein? On a le comment t'appelles ça, la baguette magique. Oh, pas besoin de la baguette. Hey, c'est vrai, tout est magique, hein? Hey, on veut la pensée magique. On aimerait ça. On voudrait régler nos problèmes par magie. On voudrait s'endormir et se réveiller avant notre sommeil à l'endroit où on voulait être. Qu'est-ce que tu veux dire? Example. Qui? Example. Pauline va te réprimander, elle va te dire par exemple. OK, par exemple. Alors, on va me coucher, parce que moi, je dors 15 minutes par jour. Je suis comme un bambin, mais à l'envers. Tu as vu le résultat, hein? Ouais, on n'a rien compris de l'émission, hein? Ah, oh, OK. Mais si tout le monde à l'intérieur de ma tête pourrait arrêter pendant que je vous parle, ça irait bien, très bien. Mais là, il y a de l'écho, puis là, j'ai des protagonistes qui veulent pénétrer dans cette bouche. Non, sortir, c'est pas pénétrer. Tout le monde pénètre et très peu sortent. C'est vrai, ça. Ça, c'est comme les artistes. Beaucoup aimeraient en être, mais très peu en sont. Oh! C'est comme Samson, Samson. Sans son gars, là, elle n'est plus rien. Ah, mon Dieu, elle est le relief de sa pauvre plaisanterie, c'est-à-dire une connerie burlesque, un château pas si brillant, un résultat devant autant de trépassés. Trépassés, elle en a trépassé du temps. Elle, ah, elle disait, c'est à l'endroit, c'est à l'envers. Oh, non. Ma maison était à l'endroit, était à l'envers. Puis là, elle a demandé à l'envers. Ça a coûté très cher pour placer le toit à terre puis monter le truc vers le haut. Le truc, ben oui, la porte. Moi lorsque j'entrais chez ma tante malade, ben ma tante qui, ma tante malade? Moi, c'est une Malaisienne, ma tante malade. Elle me disait, oui, ouvrez la porte vers le haut. Il fallait déjà grimper. Ah, encore aujourd'hui, je ne suis pas très bon grimpeur. Ah. Sauf pour aller chercher ma pomme. Ma pomme d'Adam? Oui, ben non, avec Ève. Moi, Adam, je laisse ça à Gaétan, elle aime bien Adam. Puis elle m'a dit hier, s'il n'arrive pas à l'heure, Adam, il l'aura dans les dents. Là, il est rentré dans... Oui, Adam est entré dans les dents, donc il ne l'a pas eu dans les dents, mais il a passé à un cheveu de se faire arracher tout! Tout quoi? Toute sa dentition. En fait, il lui restait juste une grosse dent. Là. Puis elle a fait un soir, elle pensait pas que c'était ça. Elle voyait le bel homme, là, Adam, homme avec la feuille. Et lui, il avait pas la feuille, il avait la dent. Adam, c'est moi Adam, j'ai la dent, oui. Adam qui a la dent. Il puait, là, il dégoulinait. On était juste là, à la toute fin du mois de mai, là. 2 jours avant la fête de Rénal. Bonne fête, Rénal! Non, c'est le 2 juin. Moi. Bonne fête, Rénal! Non, c'est le 2 juin. Bonne fête! Bonne fête, OK, merci. Tu pourrais me dire, je te souhaite un non-anniversaire. Ben, non-anniversaire, merci. Vous êtes très gentil. Non, gentil. Gentil, pentil, menti, venti, planti, planti, bon. Alors, on peut changer le monde, madame, mademoiselle. Si on le veut, tout dépend de nous. Nous sommes le Dieu de notre univers. Nous sommes le Dieu de notre monde. Ah, c'est vrai, louange au Rénal gagné, louange. Ah, on peut pas. On peut pas quoi? On peut pas. Si tu peux pas, c'est parce que tu ne veux pas. Si tu veux, tu peux. Peux-tu répéter? Ouais, ben moi, c'était une seule fois. Le ruban s'est engommé, enrubané. Il s'est collé. À l'espoir d'un jour meilleur. Et quand le ruban se colle à l'espoir, là, et désespoir, si ça se déroule, c'est comme la vie, là, quelques secondes avant la fin. Là. Et ça se déroule, et attendez, j'ai manqué ce boulot, moi, pendant ma vie, là. Comment ça, je m'en souviens, si dans ma vraie vie, je m'en souviens plus. Comment ça, elle m'aimait, elle me l'a jamais dit. Pourquoi? Pourquoi le monde est sans amour? Pourquoi le monde est sans amour? C'est vrai. Toi, tu peux pas. Mais nous pouvons. Fait que là, on t'exclut. Placez-le dans cette grande cage, là.
la cage des imbéciles, puis il y en a du monde là-dedans. Ah, oh, c'est... ah oui, si on l'aurait agrandi, hein? Oh! Autant de Drétitus. Non, c'est de Brépitus. De Résidus. Olympitus. Ça, ouais, minus. C'est terminus. C'est terminus, tout le monde descend. Tout le monde descend, Madame Thibodeau. Et Madame! On va demander aux chaises déroulantes avant, aux béquequiquilles, aux patatanales, oui, aux petits... voilà, c'est le petit fanfaron du coin, là. Passe avant, toi, là, mon petit rigolo. Personne ne rit de toi, là. Ça s'en vient. OK, descend. Ah, voilà. Oh, la belle Suzanne avec sa robe de nuit. Ça tombe bien, c'est la nuit. Reste de même. OK. Fais des pauses. Là. Ah, fais des pauses. Après la pause, tu fais des pauses. OK, mais là, reste là. C'est pas ton tour de te laisser parler. Là. Oui. Charles? Hey, toujours avec son chapeau, Charles, hein? Y'a de la joie, à l'ouel ou les hirondelles, y'a de la joie, ta oui, tu y'a de la joie, y'a de la joie, dans tous les étoiles de temps, y'a de la joie, tout tout, y'a de la joie, pom pom pom, ta la ta, ta la ta 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 ta, vas-y mon chant, la la la, la 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 la, oui, là là, reste là là, juste là là, bon, en arrière, derrière. Charles aime bien ça en arrière. Comme ça, il peut s'avancer en avant. Avance en avant. Dis-moi. Pardon? Ouais, c'est ça. Là, il y a les chanteurs du monde des royales. Bon, le cœur, Charles en arrière. OK? Il sourit. Ah, oh, il aime ça. Hein? Il a de la joie. La police. Oh, non, il est quelle heure? On peut-tu l'appeler, là? On va appeler le... C'est quoi, là, la section 17? La section 17. Allô? Oh, mais êtes-vous le... C'est quoi? C'est la police, mais c'est le directeur, je viens de... Non. Le superviseur. Vous êtes le superviseur? On vous a pas dérangé? Hein? Ah oui? Vous étiez en réunion? À minuit 26? Non, mais il n'y a pas d'heure pour les réunions. Hein? Oui ou non? Oui. OK, il y a une heure. Pouvez-vous venir avec votre la GRC, les chevaux montés, là? Montez-moi ça, ces chevaux-là. Oui, c'est ça. Il y a des servants de en avant de... C'est celui qui sourit, là. Avec le chapeau. Ouais. OK. Mais il y a ma... Okay, on fait comme si... Non, les gens n'ont rien remarqué. Je pense, croyez-vous. Non, on n'a pas encore fait jouer de... On devrait, hein? Pendant que vous allez intervenir, l'équipe souhaite... Non. Ben, il n'y a absolument aucun problème. Un malaise! On n'a même pas senti le malaise. Rita, as-tu un malaise? Ouais, ben, elle est toujours blême de même, elle. Elle est née, sa mère a dit, c'est un malaise générationnel. Sa grand-mère est un malaise. Son grand-père est un malaise. Son voisin 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 est un malaise. Bon, c'est fatigant tout ça, hein? Non, on est très, très heureux d'être avec vous, madame, mademoiselle. Est-ce que l'animateur est arrivé? Il est présentement en cardiologie. Oui. On y vérifie s'il y a déjà un cœur. Y en a-t-il un? Monsieur le Président? C'est l'imitateur de Rénal. Ah, oh, c'est comme le vrai, hein? Il est tous imbéciles, hein? Il n'y a pas de vocabulaire. C'est un vrai, là. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme rénal de le néant gagné. Ça fait peur. Ça fait très peur. Avez-vous peur, madame? Oui? Oh, elle a peur. Avez-vous peur? Oh, mon Dieu, c'est le loup.
Le loup. À quoi bon? On dirait un clavier. Êtes-vous clavier, madame? Quoi, les ondes rentrent mal, là, c'est quoi? Là, c'est votre radio, c'est 89.1. Ah, capable, pas capable de s'étonner, pas capable, pas capable. Êtes-vous, madame, 8, 9? C'est pas mon numéro de téléphone, ça, là, c'est la station de CKRL. 8, 9, point, point. Comment faire le point à la radio, non? Oubliez le point. 8, 9, 1, 8. Non, c'est dans le, c'est trois chiffres, là, parce que vous comprenez pas, madame, ouais. Non, c'est... c'est des baleines. Oh! C'est la haute mer. Nous sommes devant des muses médusées, devant trois hippopotames vernis, sur une pièce montée. Arrête de le monter, il va descendre. Ben oui, ben arrêtez-moi ça. Est-ce que c'est le... Ben oui, c'est pas le chaos actuellement, là. C'est qui ça? À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est déjà pas... Il est vraiment inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Attention. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Hé, malade! Fais-moi ça! L'absurde aventure de l'errant s'ouvre à nous, car aujourd'hui, le vendredi 31 mai 2013... 31 mai 2013! Deux jours avant la prochaine ride... Deux jours avant le prochain bid. C'est actuellement. Ouais, c'est, vous l'avez senti, le bid. C'est un vrai rythme, madame. C'est une intro, elle. On n'a pas le décodeur. Avez-vous cherché le décodeur? On l'a trouvé, oui. Ça veut dire bienvenue à CKRL, le 41.1 à Québec. Juste ça, il me semble que c'est des. Non, c'est la biphonie. Mais. C'est ça. Écoutez bien, c'est comme dans le film de Steven Spielberg. C'est qui? Steven Spielberg. Oh mon Dieu, pas lui. L'insignifiant prépubère. Oui. Dans son film, la troisième dimension. Non, c'est la quatrième. Quatrième dimension. Trois dimensions. Deux dimensions et demie. Trois quarts. Trois quarts. Du cri. Il y a Richard Dreyfuss. Qui? Richard. L'excellent. On le voit plus, hein? Oh, peut-être au théâtre ou dans son salon. Il reprend des grands succès de Shakespeare. Comment ça? Ben, parce qu'on ne l'appelle plus, hein? Le téléphone ne sonne plus. Il y a malheureusement, quand tu as un âge avancé et que tu t'appelles pas, comment il s'appelle? Celui qui a fait Hitchcock? Celui qui a fait Hopkins? Anthony Hopkins! Quand tu t'appelles pas Hopkins, ben. On oublie. On se dit que... Il est peut-être mort. Il répondra pas. Personne va aller voir ses films parce qu'il est plus connu. Les gens ne se souviennent plus. Aujourd'hui, le vendredi 31 mai 2013, les errances rénaldiennes présentent plus de route pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du chanteur Albin de la Simone. Né le 14 décembre 1970 en France, à Amiens, Albin de la Simone est un auteur, compositeur et interprète. Après avoir pris des cours de piano à Montigny-sur-l'Alu, il passe son enfance et s'en va tranquillement vers la musique. En juillet 2012, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques. Un voyage chargé pour cette nuit printanière. Il faut s'arrêter ici et entendre la musique dans nos oreilles. CKRL, cultive tes goûts.